Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel on va revenir sur la fameuse actualité Victoria Mio, Niccolo Federico Ferrari et Bastus Wizard Parce que vous avez été des dizaines à m'en parler quand cette histoire est sortie et quand Aquababe a publié ses fameuses stories. En effet, vous m'avez demandé de revenir en masse sur cette histoire suite aux stories de Aquababe, et évidemment, je vous ai écouté, j'ai enquêté un peu et je vais vous dire tout ce que j'ai pu récolter. Avant toute chose, j'aimerais clarifier quelque chose parce que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Euh, mon n'est pas du tout un contenu gossip je veux faire la différence entre le contenu gossip où on va chercher à euh, ben donc comme là euh, par exemple aquababe a fait du gossip étant donné qu'il a sorti des photos etc prises à l'insu de quelqu'un moi je fais que réagir à des choses publiques dans lesquelles déjà vous me taguez et surtout ben des choses qui sont déjà sorties pour qu'on puisse en parler et essayer ben en plus d'en parler en avec le plus de respect et bienveillance possible donc euh, s'il vous plaît m'assimilez pas trop au contenu gossip etc parce que c'est pas du tout ce que je fais ceci étant dit aujourd'hui on va revenir littéralement sur le bordel qu'il y a eu dans le couple Victoria, euh, Nicolo, mais aussi Bastos qui a été mêlé à ça, je vais tout vous expliquer. J'ai essayé de contacter tout le monde, donc j'essaierai de pouvoir compléter ma vidéo avec euh, bah, ce que j'ai eu. Donc, évidemment, pour les personnes qui n'ont pas souhaité s'exprimer, je le dirai aussi. Et euh, aux nouveautés, j'ai pris vos avis euh, sur Instagram parce que je vous ai posé la question de qu'est-ce que vous pensiez de tout ça, histoire qu'on puisse en réagir ensemble. On en parlera à la fin de la vidéo, donc d'ici là, je vous laisse d'ores et déjà liker, commenter avec le hashtag STT, vous abonner juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. Et sur ce, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est let's get into the tea. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai un énorme orgelet ici, étant donné que, comme par hasard, l'hiver arrive, c'est mon dernier tournage de l'année. Donc, soit. Déjà, il faut qu'on commence avec un peu de contexte et je vais commencer par vous présenter toutes ces personnes. Vous avez déjà certainement connu euh, Nicolo parce qu'il formait un couple avec une autre Vivi, Virginie Comte. Les deux s'étaient totalement déchirés sur les apprentis aventuriers, c'est quelque chose qu'on avait vu en fait et vous allez voir que l'histoire a l'air de s'être répétée. Mais bref, après ça, Nicolo s'est mis avec une autre Vivi cette fois-ci, Victoria, Victoria Meo, et c'était sur l'émission Les 50, c'était une séquence bisou qui était quand même assez magique, on avait vraiment tous aimé ça et ça signifiait le début d'une très belle relation amoureuse mais qui aujourd'hui semble s'être terminée. Pour vous présenter Victoria, c'est aussi l'ex de quelqu'un d'autre, un autre candidat, ancien candidat, mais surtout youtubeur et influenceur, Bastos, soit Bastos with Love. Et en fait, ils ont eu une relation amoureuse à partir du RDM, je crois, ou je sais plus, il y avait eu un cross où les deux étaient ensemble sur le tournage. Et euh, bah, leur idylle a commencé comme ça. Malheureusement, ce couple n'a pas tenu parce qu'il y avait énormément d'embrouilles. Franchement, je vous ai déjà tout expliqué concernant Vivier Bastos sur ma chaîne. Je crois que j'ai fait une, deux ou même trois vidéos à leur sujet, donc n'hésitez pas à parcourir ma chaîne vous tapez Rudy Coppel Bastos ou Rudy Coppel Vivi Superstar vous allez certainement trouver mais bon pour en revenir au couple Nicolo et Victoria Méo parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui il y a quelque chose déjà qui fait que je tenais à souligner c'est que c'était une relation dite à distance parce que Nicolo euh, vit à Milan et euh, Victoria elle vit dans le sud de la France mais ils ont toujours réussi à se voir à s'entendre et à faire évoluer la relation euh, du mieux que possible à côté de ça ils ont même réussi à se retrouver sur des tournages étant donné qu'ils étaient ensemble sur le cross, sur les 50 aussi comme je vous l'ai dit et bientôt sur les apprentis aventuriers sur nos écrans, la saison 6 et croyez moi apparemment d'après ce que j'ai vu ils vont faire beaucoup parler parce que bah là au moment où je vous parle en fait l'actu est encore dans l'actu d'ailleurs il se peut qu'il y ait des voix off au montage mais Chayara TV, une blogueuse a posté un message tout à l'heure en disant que Vivi et Nicolo allaient être un peu les pagas et je vous ai pas de l'année dernière c'est à dire qu'ils allaient se déchirer un mort sur la plage et que ça allait Beaucoup se voir, et d'ailleurs, apparemment nicolo pensait que Vivi voulait faire des séquences et aller le quitter pour faire une séquence. Mais comme je vais vous l'expliquer, peut-être qu'il y a eu autre chose. Mais d'ailleurs, je vous ai absolument tout raconté par rapport aux apprentis aventuriers saison 6 dans l'émission du dimanche, Mix the Tea. Il y a énormément de spoils d'ailleurs dans cette partie. Donc, si vous voulez un peu tout savoir ce qui va se passer, etc., n'hésitez pas à aller voir l'émission de dimanche. Mais euh, si vous voulez pas être spoilé, je vous conseille pas vraiment de le faire. Malheureusement, le tournage et l'aventure sur la plage a l'air d'avoir fissuré la relation entre Victoria Mio et Nicolo, mais j'ai envie de vous dire que c'est un truc qui arrive souvent euh, avec cette émission. J'ai l'impression que les couples qui y vont, soit en ressortent totalement renforcés, prêts à se marier et à conquérir le monde, soit ils en ressortent au bord de la rupture. Mais pour en revenir à nos deux petits blondinets préférés, depuis qu'ils sont rentrés chez eux, c'est vrai que euh, bah, déjà ils ont pu reprendre leurs réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit euh, dimanche, mais surtout on les voit plus ensemble, il n'y a plus euh, du tout de story ou quoi que ce soit ensemble. Alors une question a commencé à se poser en boucle, est-ce qu'il y a une rupture dans l'air Et c'est vraiment quelque chose qui serait étonnant puisque les deux étaient euh, tout le temps là à se montrer sur les réseaux sociaux, ils avaient l'air de filer le parfait amour comme on dit, ils mettaient des stories absolument mignonnes tout le temps, ils ont officialisé au mois de septembre euh, dernier, donc euh, c'était euh, bah, là il y a 2-3 mois, et euh, bah, ils n'ont jamais rencontré de drame en fait, j'ai l'impression qu'ils des vidéos YouTube ensemble, tout allait très bien, et il faut savoir que Nicolo avait même présenté Victoria à sa famille. D'ailleurs aux dernières nouvelles, si je me rappelle bien, Nicolo avait même prévu de déménager euh, de Milan pour emménager soit chez Victoria soit dans un appartement qu'ils auraient pris ensemble mais tout ça pour vous dire que ça avait l'air assez sérieux au fait qu'ils euh, déménagent de l'Italie pour rejoindre Vivi en France mais comme je l'ai dit plus tôt depuis le tournage des apprentis aventuriers 6 le couple semble extrêmement froid parce qu'ils ne se sont plus affichés ensemble. A partir de là, je me permets de prendre mon téléphone et de vous lire les stories dont je vous parlais tout à l'heure de Chayara TV pour vous expliquer un petit peu ce qui se serait passé euh, sur les apprentis entre euh, Vivi et Nicolo. Alors attention, il n'y a pas trop de spoil, c'est juste vraiment pour vous expliquer, si jamais vous voulez vraiment rien savoir, passez aux 20 secondes suivantes. Elle dira, Nicolo et Victoria, ça n'allait pas du tout pendant le tournage. Ça n'allait pas même avant le tournage, vu que Victoria trouvait que Nicolo était extrêmement narcissique et ne se souciait que de sa propre personne. Victoria avait faim sur le tournage et pour elle, Nicolo ne l'aidait en rien. Pour réagir un peu là-dessus, le comportement de Nicolo, s'il est vrai d'après ses stories, reflète un peu ce qu'il a montré dans les apprentis aventuriers euh, saison précédente avec l'autre Vivi. Et pour ce qui est de apparemment Victoria euh, trouver Nicolo euh, narcissique ou quoi que ce soit, vous allez voir que ça peut rejoindre ce qu'elle va dire plus tard euh, dans la vidéo, parce qu'elle a pris la parole par rapport à tout ça. Je continue. Nicolo ne savait pas quoi faire et pensait que c'était une excuse de la part de Victoria pour faire des séquences séparées de lui comme je vous l'ai dit. Et enfin Nicolo et Victoria vont être les pagailles, je vous ai pas de cette saison. Ils vont saouler tout le monde et leurs disputes jusqu'à qu'ils soient éliminés parce que plus personne les supportait. J'ai envie de vous dire, ça promet, mais c'est là maintenant qu'on va rentrer dans la rupture. Selon les informations exclusives, entre guillemets, de euh, SkyRest TV, Nicolo et Victoria seraient bel et bien séparés à cause de jalousie. Je ne sais pas trop... Enfin, il n'y a pas trop de plus par rapport à ça, parce que, d'après ce que j'ai compris, ça serait vraiment euh, des choses qui seraient déjà là avant ce que je vais vous raconter avec Bastos. Donc, je ne sais pas trop. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais faire une sorte de petite prévention par rapport au scoop des blogueurs. Vous comprendrez pourquoi juste après. Mais, en fait, comme je vous le dis souvent, il euh, y a des blogueurs qui ont vraiment des sources sûres, il y en a qui n'en ont pas forcément. il faut faire un peu attention pas prendre forcément tout ce que vous voyez et même si c'est pas des blogueurs d'ailleurs comme euh, euh, argent comptant ou je sais pas comment on dit vérité absolue parce que malheureusement c'est pas toujours le cas et même moi d'ailleurs à travers mes recherches je peux me tromper si les informations que je vous transmets ne sont pas correctes donc c'est pour ça la plupart des choses surtout en mode télé réalité comme ça il faut euh, assez faire attention en fait le temps qu'il n'y a pas de choses factuelles c'est pour ça que j'utilise énormément le conditionnel et que je vous dis beaucoup de fois de vive voix de faire attention à ce que vous lisez et à ce que vous croyez sur internet mais quelque chose a suivi la story de Skyris TV c'est le clip de Bastos, je vous en ai parlé dimanche, c'est Mishto, on en a parlé ce dimanche, je vous remets quelques moments de l'émission par rapport à ça parce que je pense que ça va être assez intéressant pour comprendre la suite. Au final, j'ai bel et bien posé la question à Bastos lui-même qui m'a répondu que Mélanie Dédigama n'était pas présente dans le clip tout simplement car elle n'est jamais allée dans son van. Le clip revient sur les ex qui ont été dans son van et est un clip humoristique, mais n'y étant jamais allée, il n'avait aucune raison de la mettre à l'intérieur des paroles. Retournons à notre actu. Le 11 décembre 2022, Bastos dévoile son clip Mishto. Pour rappel, Mishto est l'abrégé de michtonneuse, ce qui désigne une femme vénale qui se met donc avec un homme pour son argent. Tout le monde sait que Bastos est connu pour vivre dans son van, donc peut-être qu'il a voulu rire de la situation et du contraste entre euh, ben, une michou et son van, je ne sais pas. Mais on peut entendre dans la musique, je sais qu'au fond tu t'en fous de moi, mais pas du van, Fini les chips, les coronas, sors de mon van. C'est un clip qui fait quand même beaucoup de vues sur YouTube, il hein, faut le souligner, et il y a certaines de ses ex qui ont apprécié l'humour, d'autres pas du tout. Pour vous en citer deux, Victoria Mio a fait euh, des stories en disant que c'était du second degré, que ça la faisait beaucoup rire, qu'elle n'a pas du tout été offensée, elle dirait aussi qu'elle a l'habitude... Et le problème c'est que dans les stories qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, Victoria aurait donc passé la soirée de vendredi soir chez Bastos parce qu'on voit Bastos enregistrer un morceau et on voit aussi Vivi enregistrer dans leurs stories respectives et on peut vite comprendre que les deux étaient littéralement au même endroit au même moment. Donc évidemment ces nouvelles auraient pu ou ont certainement agacé Nicolo parce que vous allez voir qu'il a réagi après mais pour vous lire en détail ce que Skyrest TV a dit, je cite... Depuis le retour des Philippines pour Les Apprentis Aventuriers, Nicolo et Victoria ne se montrent plus ensemble. Elle reproduit exactement la même attitude que quand elle était avec Bastos. Niccolo est à Milan depuis quelques temps, et hier il a fait une story en disant qu'il était en train de vivre des moments très difficiles. Ils auraient donc mis un terme à leur relation. Merci pour le conditionnel. Mais je pense qu'ils peuvent se remettre ensemble, ils s'aimaient énormément. Et c'est vrai que ça c'est un truc qui a fait l'unanimité, c'est vraiment euh, tout le monde réagit en disant mais pourtant ils étaient super mignons et ils avaient l'air euh, de vraiment euh, s'aimer mais apparemment du coup ça serait pour ça que ça parle de jalousie et c'est là que la mèche a été allumée surtout avec la story suivante de Nicolo, je vous la lis, sondage du jour, selon vous c'est normal que votre petite copine parte passer la soirée avec son ex qu'elle a toujours critiqué, est-ce que c'est un manque de respect Je précise donc que cette story date de vendredi et que dans cette story on comprendrait que Victoria et Nicolo étaient toujours ensemble, d'après ce que Nicolo a dit. Et suite aux retrouvailles avec Bastos, donc ont été affichées par les blogueurs et surtout bah, par euh, Bastos et Vivi si on regardait leur story euh, interposée, Nicolo a décidé de supprimer toutes les photos de lui et Victoria sur son fil Instagram. Mais quelque chose d'autre est passé inaperçu, j'ai envie de vous dire, c'est Victoria le soir euh, du samedi soir, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé qu'elle s'était mis un peu en bombe, entre guillemets, parce qu'elle euh, bah, s'était ultra apprêtée, etc. Et beaucoup de gens ont dit pour rire que peut-être elle allait retrouver Bastos. De mon côté, moi j'ai vu beaucoup de candidats de télé-réalité sur Instagram. Et etc., euh, montrer qu'ils s'étaient beaucoup apprêtés pour passer une soirée ensemble. Donc je m'étais tout simplement dit que Vivi était de la partie, mais une information capitale est sortie juste après ça. En effet, dans la nuit du samedi à dimanche, le blogueur AquaBabe a posté ce message disant que Vivi et Bastos se seraient embrassés toute la soirée. Regardez la story. Apparemment, Vivi et Bastos ne cachaient pas du tout leur rapprochement d'après ce que Aqua a dit. Ils se seraient embrassés à plusieurs reprises, aux toilettes et devant tout le monde dans euh, un endroit qui est quand même assez prestigieux et qui est surtout assez connu. Donc, un samedi soir, il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc, visiblement, personne voulait se cacher de ça. Et c'est à partir de ça qu'il y a énormément de choses qui sont parties en vrille. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de blogueurs, attention pas tous, qui ont commencé à titrer Vivi et Bastos se sont remis en couple, etc., etc. Ça a pris une proportion énorme au Point où Vivi euh, s'est pris énormément d'insultes, elle s'est pris une avalanche de haine sous ses posts. Il y avait des euh, messages partout qui disaient qu'elle n'avait pas à faire ça. Que je vous, vous épargne les insultes, donc euh, s'il vous plaît, je voulais faire un message encore une fois de prévention par rapport au harcèlement. Peu importe si cette histoire est vraie ou fausse, peu importe ce que Victoria Méo aurait fait ou non, encore une fois, en équipe pour aller insulter ces personnes Il faut vraiment arrêter avec ça, et ça, c'est vraiment un truc que je dirais à chaque vidéo. S'il faut le dire à chaque vidéo, mais il faut vraiment arrêter d'aller insulter les gens sous leurs posts en tweet ou quoi que ce soit. Enfin, au bout d'un moment, juste évoluer. Moi ça commence à me saouler personnellement. Et c'est pas du tout pour défendre Vivi parce que hier je le disais sur quelqu'un d'autre et avant-hier sur une autre personne. C'est juste vraiment cet acharnement en fait que les personnes ont à aller euh déverser une haine sur quelqu'un parce qu'ils entendent parler d'histoire ou de rumeurs ou de scoops comme vous voulez. Mais on sait même pas si c'est vrai, on sait même pas si c'est faux, mais tout le monde insulte tout le monde. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de lundi avec la streameuse Ultia, enfin je comprends pas en fait. Et d'un autre côté, je voulais aussi faire un message par rapport aux blogueurs parce que du coup c'est vrai que moi j'ai pas trouvé ça forcément cool de voir titrer partout, Victoria et Bastos sont en couple. Point, tu vois, c'était pas vraiment des questions, c'était plutôt des affirmations. Et il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, et malheureusement, les jeunes sont un peu plus naïfs. Donc, quand tu vas voir euh, Victoria et Bastos en couple euh, pour de bon, enfin bref, c'est le retour ou quoi que ce soit, généralement, on va y croire. Et je pense que c'est pas nécessaire parce que du coup, c'est un couple qui est inexistant, comme vous allez le comprendre. Ils ne se sont pas remis en couple. De mon côté, j'ai essayé de contacter Victoria Méo, mais impossible, j'ai pas eu de réponse. Bastos lui m'a dit qu'il ne souhaitait pas du tout réagir à ce qui se passe, et c'est totalement son droit. Et euh, pour Nicolo, bah, j'ai pas eu de nouvelles non plus. Mais les tweets et articles ont commencé à fuser et Nicolo a réagi en story. Il a d'abord dit je ne sais pas quoi dire avant un très long silence. Finalement c'est Victoria qui a pris la parole en story, je vous laisse écouter. Est-ce qu'on peut remettre les choses dans son contexte et juste euh, se rappeler que j'ai pas tué votre mère parce que j'ai pas l'impression de mériter toutes les insultes que je suis en train de recevoir sachant que vous avez ni les tenants ni les aboutissants. D'ailleurs les vlogueurs qui disent que je, suis, que je suis en couple avec Bastien et tout, euh, vous êtes des malades, je suis pas du tout en couple avec Bastien, j'ai juste embrassé mon ex. En soirée parce que ben on avait un peu trop bu et euh, j'ai embrassé mon ex voilà je suis plus avec mon mec donc déjà euh, j'ai rien fait de condamnable maintenant si le timing il vous plaît pas ça c'est vraiment votre problème mais c'est pas le mien euh, mais après je m'en excuse parce que ben moi je voulais pas que ça soit euh, affiché publiquement mais je m'en excuse vis-à-vis -vis de bastien vis-à-vis euh, -vis de nicolo mais pas vis-à-vis -vis, euh, des gens qui me critiquent genre ça euh, vraiment euh, je suis sûr vous faites pas mieux en plus donc voilà, et puis euh, avec Nicolo franchement, je vous dis la vérité, je vais pas vous annoncer ça en pleurs et tout parce que c'est une situation aujourd'hui avec Nicolo bah je, ça fait un moment que j'ai digéré la rupture. Je vais pas tout vous expliquer maintenant parce que vous allez tout voir dans les apprentis, vous allez tout comprendre pourquoi, comment et pourquoi bah moi ça fait un moment là maintenant que ça va mieux entre guillemets parce que bah, en fait, il s'est passé des dingueries avant les apprentis que j'arrive pas à digérer et c'est pour ça qu'on en est arrivé là en gros. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc franchement vous allez vous allez tout comprendre. Et euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Bah juste arrêtez de m'insulter, parce que en fait vous avez que ça de l'iceberg, mais, euh, mais en fait vous voyez, vous ne voyez pas tout ce qui se passe derrière, vous avez pas les tenants et les aboutissants de l'histoire. du coup, bah voilà, c'est tout. Il y a beaucoup de choses qui ont été ressorties de ces stories. Premièrement, il y avait un énorme lapsus entre Bastien et Nicolo, donc euh, bah, ça a fait beaucoup rire énormément de personnes. D'autres s'en sont servis encore une fois pour envoyer des messages de haine, mais elle veut aussi dire qu'ils étaient déjà séparés avant la soirée où elle était avec son ex et qu'elle l'a embrassé parce qu'elle était euh, bourrée, et qu'apparemment ils se seraient vraiment déchirés sur les apprentis, et elle aurait appris des choses forcément pas cool, ou du moins elle avait un problème avec Nicolo avant le tournage, et ça ça rejoindrait ce que je vous ai dit plus tôt par rapport à Chayara TV, qui a dit qu'apparemment rien ne supporterait. Plus trop le comportement de Nicolo. Donc, Vivi nous fait comprendre qu'il y aurait bien plus à ce qu'on sait déjà et qu'on découvrirait euh, un peu tout ce qui va se passer dans les images des apprentis. Une question se pose attention, hein, j'y crois pas du tout, mais je suis obligé de vous la poser, c'est un peu euh, mon métier. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est pour faire la com du tournage ou la publicité ou j'en sais rien pour que les gens aillent regarder les apprentis et que bah il y ait l'audience, quoi, comme d'hab Parce que c'est vrai que c'est des choses qui ont déjà été faites, c'est à chaque fois euh, des rumeurs qui sortent tout le temps euh, quand on voit ce genre de déchets juste après un tournage donc je vous pose la question moi personnellement si vous voulez mon avis pour le coup j'y crois, crois pas trop pardon mais euh, c'est vrai que ça peut quand même être possible je vous le rappelle victoria a dit qu'ils s'étaient séparés euh, avant cette fameuse soirée avec bastos pourtant quelques heures plus tard la story euh, de victoria c'est nicolo qui a repris la parole en story et il a dit je viens d'apprendre que je n'étais plus en couple depuis un moment j'étais pas au courant merci pour les news trois petits points et du coup, là, ça laisserait vraiment sous-entendre que Victoria soit se moque de tout le monde, ou alors qu'il y a tout simplement eu euh, un problème de, de compréhension entre les deux, un problème de communication, mais quoi qu'il en soit, à partir de ce moment-là, c'est vraiment parole contre parole, nous montrant que soit ils étaient séparés avant, et donc Vivi fait littéralement ce qu'elle veut, ou alors il ne l'était pas, et nicolo aurait appris ça au même moment que tout le monde, et c'est la deuxième version qui est vraie, personnellement, je trouve ça assez horrible qu'ils l'apprennent comme ça en public, parce que ça me fait penser à Sarah Lopez qui avait vécu une chose assez similaire avec Tom, enfin similaire, attention, là, on peut pas comparer les histoires, mais c'est un peu pour vous illustrer euh, ce que moi j'ai ressenti, si jamais euh, ça se passe vraiment comme ça. Mais moi j'ai envie de vous soulever euh, ma théorie, c'est ce que j'avais discuté avec euh, Elliot, mon fiancé, pour ceux qui veulent son prénom. Euh, j'ai pensé tout simplement que peut-être sur les apprentis, oui en effet, ils se sont déchirés, et qu'à la fin du tournage, euh, Nicolo a certainement dû retourner en Italie, et que peut-être il y a vraiment eu cette déchirure qui était là, donc depuis le tournage, ou peut-être avant, je n'en sais rien, mais que juste ça a vraiment eu un énorme problème de communication, et que peut-être ils étaient séparés, mais que personne ne l'avait dit, et que du coup Nicolo ne le savait pas, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve ça assez bizarre quand même que... Vivi soit catégorique, ils étaient séparés avant le tournage et que Nicolo soit catégorique, on vient de se séparer maintenant parce que je viens de l'apprendre dans tes stories. Donc euh, voilà, je sais pas trop quoi en penser. Mais aussi un autre point, Aquababe qui sort cette photo, c'est bizarre. Moi je trouve ça chelou, mais je me dis que l'un d'eux savait qu'elle allait sortir parce que comme ils l'ont dit dans leurs story respectives il y a de cela quelques jours, Bastos et Aquababe sont maintenant amis. Ils l'ont dit en story, hein, c'est véridique, c'est eux qui l'ont dit. Donc je pense sincèrement que Bastos devait savoir que cette photo allait sortir. C'est mon avis. Hein. Il me l'a pas confirmé comme je vous dis, il ne veut pas s'exprimer à ce sujet, mais moi je pense qu'il savait certainement... Que ça allait sortir. Et d'ailleurs, lui n'a pas réagi une seule seconde à toute cette histoire. Mais pour le moment, les choses s'arrêtent là. Donc, si jamais il y a des updates euh, bah, au moment de mon montage ou quoi, je vous ferai une voix off pour vous expliquer un peu. Sinon, bah, je vous dis qu'on aura un update dans l'épisode de Mix the Tea de Saint Noël. Mais pour l'instant, ça s'arrête là. On va passer aux réactions. Avant de terminer, je voulais vous lire un peu euh, les commentaires que je vous parlais sous les posts de Victoria, les gens qui vont insulter pour que vous vous rendiez compte à quel point ça va un peu loin et qu'il faut arrêter. Donc, des gens sont carrément allés sur son compte Instagram sous des posts à elle qui n'ont rien à voir avec tout ça. Et on dit la déception, t'es sérieuse à laisser Nicolo pour Bastos, aucun respect pour ton mec à aller en soirée avec ton ex alors qu'il crache H24 sur ses ex, dont toi, honteuse que t'as fait. Je lui donne au plus deux semaines, elle viendra encore chialer parce que Bastos l'a jeté. J'espère juste de tout mon cœur que Nicolo ne va pas la reprendre, déçu. T'as aucun respect pour toi, tant mieux. Je suis choqué de toi, Nicolo mérite pas ça, je te croyais plus intelligente que de te remettre avec ton ex qui te rabaisse H24. Ou encore, ce qu'elle a fait à Nicolo c'est horrible, elle abuse, qu'elle ne vienne plus se plaindre de ses histoires d'amour à chaque fois, elle les quitte et elle fait de la. Merde. Et j'ai pris ça sur euh, le compte Zora Puki qui a été bah, certainement recueillir les commentaires, mais c'est pour vous montrer, enfin, on, on est qui pour dire ce genre de choses, donc je veux bien que oui, les histoires soient publiques, etc., qu'on peut en réagir, la liberté d'expression, tout ça, tout ça, mais là en fait c'est en masse et ça devient très vite un acharnement selon moi, peut-être que je me trompe et vous allez peut-être me dire que c'est de la liberté d'expression, mais moi je trouve que c'est quand même assez acharnement, tu vois. c'est vrai que beaucoup me diront, oui, c'est la liberté d'expression, on a le droit euh, d'aller euh, dire ce genre de choses si on le pense. C'est vrai que je vous dis qu'il faudrait vraiment une sorte de cadre sur internet pour savoir euh, quel est la limite à ne pas franchir etc parce que moi quand je lis ça à la suite et que je vois tous les messages je me dis ouais enfin c'est quand même de l'acharnement mais d'autres personnes individuellement vont se dire que mon commentaire enfin genre euh, le commentaire de une seule personne n'est simplement qu'une un, liberté d'expression quoi la personne donne son avis et c'est vrai que tout ceci est public donc en soit on peut donner son avis c'est vrai que je suis aussi en train de le faire mais alors encore une fois si on le fait c'est le message que j'essaie de faire passer à chaque fois faisons-le avec respect comme j'essaie de le faire dans cette vidéo par exemple enfin on termine avec vos réactions parce que maintenant sur Instagram j'essaie de vous parler un peu d'actualité euh, dans ce style j'ai des cheveux absolument partout on les arrache et par conséquent je vous demande souvent à FAQ bah, de réagir aussi aux choses pour qu'on puisse en discuter en vidéo donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram je vous l'affiche juste ici mais c'est vrai que je trouve ça assez cool de vous faire participer dans les vidéos parce que je me dis que bah, votre parole elle compte aussi en fait la chaîne c'est pas que moi donc je vous ai posté la story on en parle mercredi que penses-tu de Victoria et Bastos et vous c'est quoi votre avis et on va y réagir ensemble ils ont jamais tourné la page Nicolo et Belle c'était des pansements c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup que Bastos et n'auraient jamais tourné la page l'un de l'autre et que bah, les relations qu'ils ont eues juste après auraient été dépensement parce que bah, peut-être ils voulaient tout simplement oublier l'ex plus rapidement. Incompréhension et inattendu, dommage pour son couple avec Nicolo, ils étaient trop mimes, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout le monde les trouvait trop mimes. Il y a quelqu'un qui a dit des flammes jumelles, je trouve ça extrêmement beau et c'est vrai que moi c'est aussi un peu mon ressenti, j'ai l'impression que Bastos et Vivi ont toujours eu une sorte de connexion entre eux. Donc après oui c'est vrai qu'il y a des manières de faire, mais comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, des fois on contrôle pas les sentiments, mais je pense que euh, si c'est la version de Nicolo qui est réelle et que euh, bah, il n'était même pas au courant qu'ils étaient séparés ou quoi, je pense qu'on aurait pu faire ça un peu mieux. Mais attention, je dis pas que la version de Nicolo est vraie et je dis pas non plus que je la crois. Moi, je ne crois absolument en vrai, en rien. Je suis juste en train de réagir à ça et bah, je vais attendre de voir ce qui se passe. Mais quoi qu'il en soit, j'espère juste qu'il n'y a pas trop de personnes qui souffrent trop de la situation. Parce que ces genres d'histoire d'amour, etc., c'est toujours très compliqué. Qui ne se sont jamais oubliés, c'est ce que je vous ai dit. Vraiment inattendu, car Bastos voyait une fille et Vivi avait l'air très heureuse avec Nicolo. C'est vrai qu'il y avait aussi cette rumeur et ces scoops qui commençaient un peu à arriver de Bastos qui euh, flirta avec quelqu'un. Après, j'ai envie de vous dire, il pouvait très bien... Euh, flirter avec quelqu'un sans se mettre en couple. Donc euh, voilà. Tout le monde savait que c'était pas fini entre eux, mais elle aurait pu faire les choses bien. Donc ça, je pense que c'est quelqu'un qui euh, ben, croit en la version de Nicolo. Et c'est vrai qu'encore une fois, si la version de Nicolo est celle qui euh, est vraie, je pense qu'on aurait pu faire les choses autrement. Quelqu'un a dit :« Elle fait ce qu'elle veut. On a toutes fait des dingueries. Il faut pas juger comme ça. » Et je trouve que c'est quelque chose qui est aussi vrai. Et ça, je pense que ça rejoint un peu les commentaires de haine qu'elle a dû recevoir de partout, mais aussi sur Twitter, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont été jugés et critiqués. Mais j'ai envie de vous dire, à votre place, bon après, c'est vrai que chacun un peu à ses visions de, de tout ça, moi non plus je n'aurais pas trompé quelqu'un si j'étais en couple mais c'est vrai que l'alcool, l'ex les soirées etc, enfin tout le monde peut déraper à un moment, on est humain, on n'est pas tous carrés, hein. moi par contre je, ne, je le dis hein, je suis contre la tromperie etc et c'est pas quelque chose que je ferais volontairement mais encore une fois même moi je peux déraper parce qu'on est humain et on peut faire des erreurs même par rapport à ça donc c'est quelque chose à souligner aussi et c'est pour ça que je ne cautionne pas du tout la haine que Vivi se prend dans la tronche alors que même si dans le pire des scénarios vraiment elle était toujours avec Nicolo, elle a embrassé son ex mais en soi, si c'est une erreur pour eux, parce que peut-être qu'ils ne se remettront jamais en couple, ça se trouve qu'ils vont même pas se revoir. Ça, c'est vraiment des, des articles et tout qu'on titre titré qui s'est terminé en couple. Il n'y a rien de vrai là-dedans, apparemment, d'après ce qu'on peut voir. Donc ça se trouve, c'était vraiment juste une erreur de parcours, encore une fois. Je suis en train de me rendre compte, est-ce que j'ai déjà réembrassé un de mes ex parce que j'étais bourré en soirée Je pense que ça m'est déjà arrivé au lycée ou un truc du genre. Mais en gros, oui, pour vos avis dans la globalité, c'est vraiment Nicolo et Vivi étaient mignons. Et surtout, une grosse incompréhension est très inattendue. Et c'est vrai que moi je me suis réveillé en voyant ça et je me suis dit, oh my god, mais qu'est-ce qui s'est passé Et je l'ai tout de suite euh, envoyé euh, à Bastos en lui demandant euh, s'il voulait euh, réagir, expliquer ou quoi que ce soit. Et il m'a dit qu'il préférait ne pas le faire. Et c'est totalement son droit. Et c'est comme ça qu'on terminera ma vidéo en respectant les droits de chacun. Finalement, après mon tournage, pas mal de choses se sont passées, c'est pour ça que je vous ai fait un petit magnéto pour tout vous résumer. Premièrement, Nicolo a pris la parole tenant à remercier ses abonnés du soutien qu'il reçoit, quelque chose qui était vraiment mignon. Mais quelques heures plus tard, Vivi a décidé de donner sa version sur l'histoire, je vous laisse écouter. J'avoue que moi aussi j'apprends ce matin qu'Abraham je n'étais pas célibataire. Euh, alors je sais pas ce qui est en train de se passer, je sais pas si réellement Nicolo il avait pas compris de truc ou alors que bah, juste il se place un peu en victime de la situation mais en tout cas peu importe juste une chose c'est que je vais vous expliquer vraiment comment ça s'est passé c'est que ça faisait cinq jours qu'il ne me répondait plus à mes messages euh, il y avait déjà eu plein d'histoires avant mais c'est encore une fois j'ai pas trop le droit de vous raconter mais euh, vous a, franchement vous enfin vous allez vraiment comprendre euh, donc ça faisait cinq jours cinq jours qu'il me répondait plus à mes messages euh, ça faisait euh, du coup, il a fini par me renvoyer un message, euh, ben, bah, euh, avant hier soir, je crois, euh, un message qui se terminait par bonne continuation et ce à quoi j'ai également répondu bonne continuation à toi aussi. Enfin, quand on se dit bonne continuation après ne pas s'être parlé pendant quasiment une semaine, ça veut pas dire euh, joyeux Noël, ça veut dire bah qu'on n'est plus ensemble en fait. Donc, enfin euh, euh, pour moi c'était clair. Une fois, je dis pas que c'est bien ce que j'ai fait parce que ben bah, voilà, c'est pas le top mais euh, je me considérais célibataire donc euh, j'ai pas l'impression d'avoir fait un truc de malade et euh, puis surtout franchement arrêtez parce que moi je suis humaine et euh, qui n'a jamais critiqué son ex à mort vraiment qui n'a jamais fait détester son ex à toute sa famille à tous ses amis pour au final y retourner et encore il y a des gens qui y retournent vraiment moi j'ai fait un bisou à mon ex en soirée parce que j'avais trop bu voilà ça ça arrive qui ne s'est jamais réveillé le matin en se disant ok voilà euh, t'es allé un peu loin ben voilà je, je l'ai fait. C'était pas. Je dis pas que c'est la bonne manière parce que ça, ben, ça engage que ça fait de la peine à, à des gens dans cette histoire. Et je m'en excuse parce que c'est vraiment pas mon but de faire de la peine aux gens. Mais euh, je, je m'attendais pas à ce qu'on me prenne en photo. Voilà, je m'y attendais pas. Et puis, de euh, toute façon, ce qui est fait est fait. Mais maintenant, de là à me dire que j'ai trompé Nicolo, que naninana, j'ai trompé personne. J'ai trompé plein de mecs, j'ai toujours assumé. Mais alors, Nicolo, je ne l'ai pas trompé en fait. Je suis allée jusqu'au bout. Nicolo a rétorqué avec deux stories que je vous lis. Je pense que je vais devoir m'exprimer parce que j'entends trop de choses déformées. Essayer de salir quelqu'un pour redorer son image. C'est clairement le foutage de gueule final. Moi je voulais garder le silence, même si déjà hier j'ai entendu de grosses conneries. Je voulais pas répondre. Je vois qu'encore aujourd'hui, ça continue de parler. Suite à ça, Bastos a posté des stories assez énigmatiques. Vous voulez que je parle Oui ou non Ok, je viens d'apprendre que j'étais plus en couple avec elle depuis un moment. Sinon je me serais jamais permis de la pécho des eaux. Personnellement je n'ai pas trop compris l'utilité de ces stories, donc si jamais vous avez quelque chose à me dire par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Finalement Nicolo a pris la parole dans de longues stories, je vous laisse écouter et je vous reprends au milieu pour vous lire le message qu'il a affiché. Alors moi ça me coûte énormément euh, de faire ces stories parce que je vais pas bien. C'est pas une question de faire la victime, c'est une question que je ne suis pas bien. Euh, je suis pas bien du tout. Mais franchement, je, bah, hier je, je me suis pas exprimé. Je voulais pas faire des stories. J'ai écouté, j'ai vu les stories qui ont été faites, mais j'ai pas voulu euh, répondre euh, en donnant des détails parce que je voulais juste. Je, je veux juste que cette histoire se se clôture. Moi, j'ai rien demandé. Tout ce bordel est né parce que il y a la photo euh, qui est sortie que moi j'ai commenté parce que moi ça m'a choqué de voir cette photo. Ok. Euh, de, de de mon ex qui, qui embrassait son ex voilà et, et du coup j'ai juste j'ai je vous ai fait partie du, de mon choc de ça mais je vais vous donner quelques détails comme ça vous allez bien comprendre la, la situation moi je dis que j'étais pas au courant que j'étais célibataire depuis un moment c'est à veut dire que bah, moi je, je suis italien mais la langue française je la connais euh, quand elle dit depuis un moment depuis un moment pour moi ça veut dire depuis un bon un bon moment quand même un bon plusieurs jours, plusieurs semaines, euh, pas quelques heures. Euh, C'est vrai que moi, je lui ai envoyé un message où je lui ai dit bonne continuation. C'était samedi quand j'ai appris euh, qu'elle allait enregistrer le, bah, le clip avec Bastos. Moi, je, je l'avais eu au téléphone la veille de son départ pour Paris et elle m'avait dit tout ce qu'elle devait faire, mais elle a oublié de me raconter qu'elle allait voir Bastos pour enregistrer le son avec lui. Du coup, euh, bah, le samedi, je lui envoie ce message. Nicolo nous montrera donc des messages échangés entre lui et Victoria via la plateforme WhatsApp. À l'intérieur on voit que Nicolo dit à Victoria qu'il ne comprend pas pourquoi elle a passé une soirée avec Bastos alors qu'elle ne voulait même pas qu'ils soient photographiés ensemble à la soirée Halloween de Giuseppa, que Victoria aurait toujours mal parlé de Bastos avec Nicolo mais aussi avec son entourage, qu'il n'y a donc pas de cohérence dans ses actions. Il dirait, et je cite, En fait tu as voulu te remettre en couple avec moi juste pour le tournage. Ça me dégoûte. La seule chose qui t'intéresse, c'est toi et ton business. C'est tout. T'as aucun respect pour moi et pour mes sentiments. Tu t'en fiches. Tu t'en fiches que je m'attendais à un geste de ta part qui n'est jamais arrivé. Je vous laisse écouter la fin de la story de Nicolo avant de vous reprendre. C'était samedi soir, 17h24. Moi, je lui dis bonne continuation. Aujourd'hui, avec Niccolo, bah, ça fait un moment que j'ai digéré la rupture. Quand elle dit ça fait un moment que j'ai digéré la rupture, quelques heures. C'était une digestion rapide quand même. Certes, avant avant ce message, on était en froid. Il y avait des incompréhensions, on était en froid. Mais être en froid avec son mec, ça ne veut pas dire être célibataire. Du coup, la vraie rupture, c'était quelques heures avant. Il a ensuite posté d'autres messages montrant que Vivi aurait critiqué Bastos beaucoup de fois envers ses proches et serait retourné avec comme une vieille chaussette. Personnellement je ne pense pas que ça va en rester là et je ne sais pas ce qu'il va se passer par la suite, mais moi j'ai envie de vous poser une seule question, c'est que pensez-vous de tout ça, parce que beaucoup de gens commencent à se dire qu'on dirait vraiment la com du tournage des apprentis. Finalement, le mardi 20 décembre au petit matin, Victoria a décidé de reprendre la parole en story. Je vous ai pris le moment le plus intéressant je trouve et je vous l'affiche maintenant. Réveiller, je vois qu'il a encore affiché euh, genre 50 messages en faisant genre que... Bon bref, on s'en fout. Moi, je vais juste vous expliquer pourquoi, en gros, je suis plus avec. Comme ça, au moins, vous allez un peu mieux comprendre. Avant les apprentis, quand on est parti, parce que ça, il a essayé de s'en justifier, parce qu'il savait que j'allais j'allais raconter, et il sait que ça passera à la télé. Parce que c'est vraiment le début de notre, notre embrouille. Euh, avant de partir dans les apprentis, on était en embrouille. Donc, encore une fois, il m'a snobé, il a arrêté de me parler pendant 5 jours, parce que ça, il adore faire ça. Soit disant amoureux, le mec. Euh, il a arrêté de me parler, et au final, il m'a dit clairement, noir sur blanc, je vais vous mettre le message, euh, toi et moi, on va s'expliquer dans les apprentis. Et j'ai dit, et moi, ce à quoi j'ai répondu? Waouh, je suis choquée, là, t'es sérieux? Je pensais que t'avais plus d'estime que ça pour notre relation, naninana. Et il a commencé à justifier tout, mais y a pas de justification. En fait, c'est juste un bandeur de, de télé. Suite à quoi elle a reposté un message disant qu'elle ne prendra plus la parole à cette story, disant qu'elle va lâcher un peu son téléphone, qu'elle a recommencé à faire des crises d'angoisse, qu'elle avait aussi perdu du poids, que ça fait deux ans qu'elle va chez le psy, c'est pas pour avoir à reprendre depuis le début, et que la remise en question c'est gratuit, donc surtout qu'il ne faut pas hésiter à tester. Et en vrai, encore une fois, je l'appuie ici, mais je pense qu'il faut arrêter euh, en tant déjà que téléspectateur de se mêler de ça de manière très très intime, au point d'aller insulter les gens sur leur réseau. Mais aussi entre eux, il faudrait plutôt que ça se règle en privé à ce moment parce qu'on voit que ça blesse autant l'un que l'autre. Voilà tout le monde, c'est donc tout pour cette vidéo actuelle que vous attendiez. Je sais que vous l'attendiez. Euh, J'ai pas vraiment d'avis à tout ça. Je voulais un peu donner tout au long de la vidéo. Maintenant, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Au lieu de vous faire une partie mon avis dans la conclusion, juste essayer de vous expliquer ce que je pense à travers ce que je raconte et ce que je dis. Donc, euh, bah, j'espère que ça a été assez compréhensible pour vous parce que c'était quand même un rebondissement. J'espère aussi qu'il n'y a pas trop eu de choses à rajouter en voix off, voire pas du tout, parce que comme ça, ça voudrait dire que je suis officiellement en vacances. C'était officiellement mon dernier tournage de 2022. Je voulais remercier. Toutes les personnes qui m'ont suivi toute cette année dans ce contenu parce qu'évidemment je ne suis pas tout seul à le faire. Il y aura des vidéos après, hein, vous inquiétez pas, mais là c'est le dernier tournage que je fais en temps réel. Enfin, il y a Mix The team mais je parle en face cam. Les autres sont des vidéos privées ou des vidéos que j'avais déjà prévues pour les vacances. Donc là c'est la dernière fois que je vous parle dans Spill The Tea en face cam et euh, bah, je voulais vous remercier de m'avoir suivi toute l'année. Encore une fois, toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont mis des commentaires, qui ont liké, qui m'ont fait des critiques constructives, qui m'ont dit d'un peu changer ça, d'améliorer ça, qui ont repris mon français ou euh, peu importe. J'allais dire quoi que ce soit, je sais que ça en dérange certains donc euh, vraiment merci à toutes les personnes qui me suivent au quotidien que ce soit sur les réseaux ou peu importe sur discord sur instagram à m'envoyer des messages ou quoi que ce soit à venir me raconter vos problèmes qu'on en discute vraiment merci parce que moi ça me fait plaisir en fait et c'est vraiment ce que je recherche dans ce travail j'ai toujours dit c'est euh, l'échange qu'il peut y avoir entre euh, un créateur de contenu et sa communauté donc euh, merci pour tout ce que vous m'offrez par rapport à ces échanges ça vient sincèrement du cœur je fais rarement de discours hein, mais quand je fais ce genre de choses je sais que après je stresse et je sais pas si je le laisse le montage mais je vais le laisser parce que c'est la dernière Vidéo de l'année, Spill the Tea, et euh, du coup, ça clôture cette saison de Spill the Tea, Et je trouve ça bah, beau en fait d'avoir tenu une année et de me dire que c'est mon travail maintenant. Je m'arrête là, sinon la conclusion va durer 3000 ans. Je vous laisse liker cette vidéo si elle vous a plu. La commenter avec le hashtag Stt en m'exposant votre avis par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, aux questions qui ont été soulevées, hein, aussi par rapport euh, à l'éthique euh, de, de la manière de faire les choses. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai mis des gros guillemets hein, par rapport à éthique parce que j'ai pas vraiment d'autres mots. Je vous laisse vous abonner à la chaîne, si c'est toujours pas fait que vous regardez mes vidéos régulièrement. C'est un clic pour vous, mais vraiment c'est une grande aide pour moi. Et n'oubliez pas de liker, commenter, c'est le meilleur moyen pour aider au référencement. Oui, on dirait un mendiant, mais j'assume, vous me demandez souvent de mendier, donc voilà, je mendie. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, et euh, ben, je vous souhaite de bonnes fêtes, je vous souhaite euh, de vive voix, de spiel euh, oui, de bonnes fêtes, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et on se retrouve dimanche, 25 décembre, 18h, pour Mix Zutty, et entre-temps, peut-être une vidéo vendredi, parce qu'il me semble que j'en ai prévu une. Je vous aime fort, et merci de me suivre au quotidien. Love you guys